Madame, monsieur, bonjour. Midi chez nous, dernier magazine avant, on va dire, dernier vendredi de ce magazine, avant la nouvelle année. Donc, vous vous doutez bien que ce dernier week-end, avant la nouvelle année, est un week-end extrêmement chargé, chargé d'actualité, chargé de divertissement, chargé de prière, de spiritualité. Cela pour vous annoncer que les invités sont extrêmement, et j'insiste sur le extrêmement, nombreux à vouloir s'adresser à vous. Raison pour laquelle nous avons dû surseoir au contenu habituel de ce magazine. Mais cela dit, nous avons concocté une petite surprise pour vous. Monsieur Nguessan Tano, qui pilote avec magistrature à cette émission, est toujours aux commandes et à sa discrétion notre première transition. Et nous allons dérouler le programme. Et surtout, merci d'être là. Oh, joli garçon, c'est mieux. Chaque chose a son temps, mon ami. Ma cou m'a soulevé de dire paix. Eh, enema, yaleba, enema, kia, enema. I put your strong, enema, kia. Alors, vous savez sûrement qu'il y a un événement de taille et que c'est important, c'est déterminant de rentrer dans la nouvelle année avec le sourire. Vous savez à quoi je fais allusion? Il y a eu des bons jours, il y a eu certains bons jours. Et vous savez que cette année, c'était un bon jour 2014 très spécial. Revu, relooké et puis organisé, orchestré par ces deux sommités, donc de la réalisation, M. Mamiri Demandé, M. Yaya Sanogo. Voilà un peu pour l'équipe de production à la réalisation. Alors, vous savez que cet événement, c'est demain.
Ça, c'est une chose. Vous savez également que les humoristes, la crème des humoristes ivoiriens sont concernés. Ils en ont fait leur affaire. Vous savez également que de nouveaux humoristes vont rentrer en ligne de compte. Voilà, ça c'est pour vous camper un peu le décor. Cela dit, nous avons Nkadeka qui est devenu l'amiral Nkadeka, qui est au palais donc, des sports de Trècheville. Et nous pensons que tout est fin prêt. Mais Nkadeka, est-ce que vous nous recevez? Nkadeka? Allô? Ouais, madame! Ouais! Je te reçois à merveille. Ouais, franchement, la RDI a vraiment évolué. La RDI fait du direct partout maintenant en Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire, la RDI peut faire du direct. Ouais, c'est vraiment super. Ovation pour la RDI. Oui, oui. Voilà, Maria, tu vois, non? Tu vois derrière moi, là, ici, là. Ici, on est au Palais des Sports. C'est ce samedi 28 qui va avoir Bonjour 2014 avec tous les humoristes du moment. Moi, mais amiral Nkadeka, je serai là. J'ai passé des éléments à amiral. Donc, venez, on va communier ensemble ce samedi. Hey! Oui, mais Nkadeka, ce serait bien qu'on puisse voir l'intérieur. Hein? L'intérieur, donc, je suis persuadée que vous nous recevez. On aimerait bien voir l'intérieur là-bas du palais de sport. Mais cela dit, il y a également des personnes qui vont venir me rejoindre sur ce plateau. Nous avons beaucoup de choses à dire et nous enregistrons leur entrée. On va débrouiller jusqu'à gagner. On va débrouiller jusqu'à gagner. On va débrouiller jusqu'à gagner. Alors, l'équipe de demain, tout est fait prêt. Tout est fait prêt. Entraîneur, voilà le capitaine qui est là. Oui, oui. Voilà, je t'ai dit que c'est brassard, ils ont volé à Gamé. Voilà, chez nous ici, c'est la discipline. Hein. C'est pas où on donne brassard à quelqu'un, puis les gens se fâchent. On te donne, parce que moi, c'est quand je jette courir matin. Matin, je vais voir Marabout. Quand Marabout me dit que c'est lui qui est capitaine, c'est lui qui devient capitaine. Okay. Alors, magnifique, en tant que capitaine. Oui, oui. Voilà, faut parler. Voilà. Je demande à tous les supporters qui aiment rire, à tous ceux qui aiment la joie, à tous ceux qui aiment les bonnes choses. Chaque année, on te donne CD. On te donne CD. Tu ne vois pas, on te parle. C'est demain. Bonjour 2014. L'équipe est prête. Voilà le grand remplaçant que vous voyez là. Tiens quoi? Faut pousser. Voilà. Ça est là, il est allié, il est sur le côté, lui il joue sur le côté. Tout le monde sait, voilà. Le Nigeria est champion en titre, donc voilà, c'est pas mauvais d'être Jonathan Goodluck. Voilà, bon, Goodluck, hein, bonne chance. Ici, c'est le latéral droit. D'accord. Il s'appelle Joël. L'homme qui fait toutes les chansons des blancs bêtes là. Hey! C'est lui. Alors je vous donne rendez-vous demain. C'est bon, c'est pas conseil, c'est théâtre. À côté de lui, on a la sécurité du coin. D'accord. Voilà, sécurité. Par exemple, qu'on sécurité demain, on a prévu 8 conteneurs de dozo et on a envoyé un échantillon. Voilà, c'est comme ça, c'est quand tu tires et dis à gauche, ça va à gauche. Quand tu tires encore et dis à droite, ça va à droite. Si tu as mis bout, il disparaît. C'est bon, c'est bon. Et comme dans chaque chose, il y a un coach. Et ils ont Sabri Lamouchi, nous on a Fabrice Lenouchi. Le Nouchi, c'est lui. Oui, de faire. Voilà. D'accord. Cas, ici, tout est bien organisé, tout est prêt. Et on a fait appel à nos confrères. Tu sais que le Mali et nous, on est devenus des amis. Donc on fait venir Zongo qui nous a représenté depuis un moment au Mali. Ouais. Il doit rentrer bientôt. Et voilà. J'ai dit, j'ai déjà fait le classement. On appelle ça le plus gros transfert de l'année. C'est déjà organisé, on a fait le classement. Je n'ai pas de gauche à droite. Hein. C'est lui qui va jouer en avant-centre. Lui, il joue premier. Ça, c'est clair. Quand lui, il joue premier. Quand lui descend net, en cas de cas monte. Quand de cas monte net, est-ce que Joël monte. Quand Joël monte net, Agalawal. Gala monte net, l'autre est chose magnifique, il monte. Et chose, comment s'appelle mon frère là, Rematoulaye, il finit. Ça, c'est l'équipe senior, ça. C'est d'accord. Lui qui joue à la fin du match. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, oui. Parce qu'on a en cas de cas, qui devient l'amiral entre temps, il est toujours là-bas sur place. Bien sûr. Et il nettoie. Oui, peut-être, parce qu'il doit nous montrer l'intérieur. Voilà, du palais. En cas de cas, on voudrait voir l'intérieur du palais. C'est possible? Montre-nous. Ah, ok, tu veux voir l'intérieur? Ok, je vais te présenter l'intérieur, Mariam. Donc, à tout à l'heure pour voir l'intérieur. On s'en va.
En tout cas, ça c'est échauffement. En tant que capitaine. Uh-huh. Parce que Mariam, le match de demain, le match de demain, à partir de 19h00, le match commence. Venez un peu tôt pour avoir les meilleures places dans les tribunes du Palais des Sports. Mais on vient à quelle heure? Venez à partir de midi même, le palais est ouvert. Tu viens premier, tu t'assois. Comme disait le grand frère tout à l'heure, le coach, il dit, ah, ceux qui ont brèche là, pourri là. Ouais, c'est pour éviter de mettre ça sur le dos de leurs camarades. Quoi. Il faut s'asseoir devant, parce que quand tu n'as pas de dents, que tu ris, tu salues tes camarades avec ta main. Là, pour y aller, bouge vite. Voilà, ça c'est mieux. Donc, entre ces 10 000, les tickets sont déjà disponibles ici. Entre 10 000. Non, moi, c'est moi qui offre les sorties, ça c'est gratuit. Okay. Si on entre seulement, c'est 10 000. Voilà. Madame, je tiens beaucoup à remercier. Attendez, il y a encore des cas qui me fait signe. Il y a quoi encore? Tu es prêt à nous montrer l'intérieur maintenant? Il y a quoi encore? Est-ce qu'il est prêt? Ah mais Marie, c'est pas toi-même tu m'as dit qu'il n'y a qu'à te montrer le terrain. Je suis venu avec toi ici. Bon voilà, voilà où ça va se passer. C'est ici, on va mettre podium. Et puis tu vois là-bas, là, non, on va mettre des chaises. Un peu partout quoi, les gens seront là. On va communier avec tout le monde, avec tous les meilleurs humoristes du moment. Moi-même, Amiral, je serai là. Donc venez massivement. Ouais. Il faut beaucoup dire merci beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est le cinquantenaire. Oui. En fait, c'est bonjour 2014 du cinquantenaire en fait. C'est pour ça que tout se fait de manière très nucléaire. C'est-à-dire, il y a des nouveaux acteurs qui viennent de manière nucléaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire tu fais erreur nette en distanciation. Les nouveaux, ils ont 5 minutes chacun. Et puis les anciens, chacun a 15 minutes. Tu es parti au-delà, on te coupe. Tu as parlé plein de ton camarade net, on te fait chasser. Et puis, il y a des messieurs qui nous ont aidés beaucoup à encadrer cette équipe des éléphants qui aujourd'hui qui est en train de monter un peu. Il y a le gouverneur du district autonome d'Abidjan qui est le Beugre. C'est un monsieur depuis 3 ans. Il nous accompagne dans cette aventure. Il faut beaucoup lui dire merci. Et puis, à cette occasion, non seulement tu viens pour rire et t'amuser, mais tu pars avec des portables, des téléviseurs et des chaînes IFI. C'est-à-dire, pendant que tu viens, tu payes 10 000 seulement, on joue pour toi, tu ris, on te donne encore appareil. Moi, je pense que si tu ne viens pas, si tu réfléchis, c'est que toi-même tu es né pour ne pas réussir. Voilà. Mais moi j'aimerais avoir une blague en avant-première. C'est lui qui raconte. Moi, je me réserve juste pour la soirée de demain. Bon, je vais voir en cas de cas. Continue à vous réserver. Réservez-vous. Et toi, en cas de cas, on peut avoir une blague, non? De te raconter une blague? Non, Mariam, arrête ça. Je ne suis pas venu ici pour raconter blague. Bon, ok. Nous, on a reçu la visite d'un nouveau commandant. Le commandant, dans son nom, c'est... Non, venez demain. Venez demain, je vous dis son nom. Là, la blague, ça, là, il est terminé là-bas. Donc, tous demain, ici, à partir de 18h, ça va bader. Il y a Fokida. On doit l'envoyer en Syrie. Va couvrir l'événement. Mais tout à l'heure, vous disiez que Zongo sera là? Oui, Zongo, il arrive tout à l'heure. Il a décollé depuis l'aéroport de Bamako. Voilà. Il arrive tout à l'heure. Il va descendre à l'aéroport. Il a envoyé une équipe à la télévision, accompagnée du DG lui-même qui peut le recevoir. Oui, tout est organisé. Non. Ça, c'est bon. Ça, on le prend à l'aéroport. C'est le plus gros transfert de l'année. Capi! Tout est organisé. Le ticket d'entrée, c'est 10 000 francs. Entre 10 000 sorties, on paye pour vos cadeaux. Voilà. Une fille que tu dragues il y a longtemps, elle n'accepte pas. Tu viens avec quelqu'un, elle rit. C'est validé. Mais c'est bien. Tu viens parler avec quelqu'un, ton patron, tu veux lui faire plaisir. Il y a des gens qui sont quittés en Europe. Ils sont venus comme ça pour passer les fêtes. Les gars, c'est demain. Bonjour, que vous voyez toujours sur DVD là. Venez, on va vous voir aussi dans la télévision là. C'est bon. Oh. C'est bon. D'accord. Donc, c'est Mais on me fait signe. Apparemment, il y a Zongo. Il y a un élément de Zongo. Il a déjà parlé. Ah bon, d'accord. D'avion. Ah bon. Ah, ça, je ne sais pas. Hein. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a un message pour nous. On l'écoute. Les gens de Azawad, là. Vraiment. Hein. Moi, c'est le maréchal Zongo, miroir des jeunes femmes désemparées. J'arrive à Abidjan par rapport à Bonjour 2014. Ceci étant par conséquent, donc, alors, femme mariée. Divorcé, première copine, deuxième copine, maîtresse officielle, cassée, révélée. Je vous attends. 2 ans, c'est pas 2 jours. Tu viens, on va faire le bilan. C'est samedi 28 décembre. Ouais. Non, tu viens. This is a demonstration. Moi, c'est mon vieux, moi qui est là. À bon attendeur. Quand tu vois ça là, il y a encore une autre fête mieux que ça là. Non, là. Vous êtes vraiment prêts. Donc, on a dit demain. Oui, quelle heure?
Demain, à partir de midi, déjà, le palais des sports est ouvert. Venez choisir vos places vous-même. Mm-hmm. Achetez les tickets dès maintenant. On est tous vous. On est tous voilà. On les trouve ici, même dans la cour de la télévision. Ouais, ici. Okay. On les trouve aussi à RT Publicité, mm-hmm. là-bas, du côté du VP Bamba Misef, là-bas. Là. Mm-hmm. Et puis, dans la cour de la radio au plateau, là. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Voilà. J'ai les tickets là-bas. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Vous nous aimez, vous nous avez soutenus pendant toute l'année. Venez, on va communier, on va rentrer dans l'année 2014 avec beaucoup de gaieté, de joie, de rire. N'est-ce pas? Même si ton visage est bizarre. Non, mais attends, je ne suis pas agouté dans Chef Gun. Voilà. Je dis simplement, je suis ouvert. Et quand c'est comme ça, on ne parle pas maintenant, beaucoup. Maintenant, tu as voté à Bible. C'est jusqu'à demain. Et jusqu'à demain, je crois depuis, que vous-même depuis, vous remarquez. Bon, venez seulement, c'est tout ce que je veux dire. Attends, voilà, j'ai une garçon qui est très propre. Un professeur, tu peux me dire quelque chose? Je vais non, en fait, comme il a dit, où on vend les tickets à la radio, là. Oui. La fois dernière, il est parti. C'est beaucoup de tickets qu'on peut donner aux jeunes, n'ont qu'à venir. Oui. Il y a vu un gars, un blanc, en train de suivre la radio. Il dit, hé, blanc souvent Radio Côte d'Ivoire. Mais après, il m'a pédé d'avoir deux chassés d'Oadia, c'était un abinance. Oh. Ah bon, bon. Donc, c'est demain à partir. D'accord. Le ticket d'entrée, c'est 10 000 francs. On est d'accord. Voilà, tu as une chanson d'ambiance parce qu'on doit partir au terrain tout à l'heure. Mm-hmm. Voilà, c'est Non, alors, mais attends, toi tu as dit que tu es la Mori Gang. Oui. Donc faut chanter. Maman n'a pas ta maman, c'est le commandant Mori. Maman n'a pas ta maman, c'est le commandant Mori. Ça me dit que j'ai 14. Tous les gars, c'est ma blague, c'est bonjour 2014, demain. Et on n'a pas le temps, on s'en va au terrain. Nous, on va partir de l'heure. Allez. Il faut l'attraper, c'est bon. Faut me laisser. Une page musicale. On reprend nos esprits et nos invités de la direction commerciale et marketing sont nombreux à vouloir s'adresser à vous. Hommage à toutes ces personnes qui ont fait du espoir. Djello Ami, sois forte. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yahvé. Tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yeshua. Tu m'as promis le voyage. Papa, papa, tu m'as promis la santé. Papa, papa, tu m'as promis la richesse. Tu as promis la paix au monde entier. Dans mon foyer, cette année-là, ça va se réaliser. Dans mon travail, cette année-là, ça va se réaliser. Papa, papa, tu m'as promis la réussite. Seigneur, je veux rouler dans de belles voitures. Je veux dormir dans villa haut. Seigneur, je veux connaître Paris haut. Je veux faire escale à Londres, transiter en Amérique, annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Afrique du Sud, parler à Mandela et annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Amérique. Je veux parler à Obama et lui annoncer ton évangile. Soutiens-moi. Je veux connaître Gabon, Ali Bongo, Dimba et lui annoncer ton évangile. Soutiens-moi. Yeshua, Bukami, Jéhovah, Blademi. Papa,
Nos DCM sont installés, beaucoup d'événements, vous en doutez bien, pour ces fêtes de fin d'année. Monsieur Guy Pacom est avec nous. Finalement, on va co-animer les émissions. Inch'Allah. Alors, chaque fois qu'il est là, c'est toujours pour de bonnes nouvelles. Il est accompagné de Fatima, qui est un mannequin émérite, qui est productrice également. Merci. Alors, cette combinaison explosive donne sûrement un programme explosif. Vraiment, le Solarino, c'est un restaurant du côté de Angré 7e tranche, en face des impôts de cette zone-là, a un programme fou pour ces fêtes de fin d'année. Ce soir déjà, grande soirée rétro du côté du Solarino. Et puis demain samedi 28, la 4e édition en ce qui concerne le gala annuel des mannequins professionnels de Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie bien sûr la présence de Fatim sur ce plateau-là. Et puis le 1er janvier, dîner gala spectacle avec Baïs Pinto. Accès 30 000 francs. Champagne et tout, vous savez que j'aime bien. Bon, bref. Avec Baïs Pinto, ça sera quelque chose de bon. Aquaba 2014, avec Baïs Pinto, le 1er janvier. Et la Saint-Sylvestre avec Guilou. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Guilou, voilà. Le 31 décembre, du côté de Solarino, 75 000 francs le couple, 40 000 francs par personne. Je pense qu'un super bon programme pour vous permet de passer. Le 31, Guilou. Guilou. L'antillais. Et le 1er janvier, Baïs Pinto. D'accord. Okay. Voilà. Et le 28. Le 28 demain, justement. Le gala, annuel des mannequins de Côte d'Ivoire. Donc, on remet dans l'autre sens. Okay. Voilà. Le 28. Le 28 demain. Donc, 28, c'est demain. C'est la quatrième édition du gala annuel des mannequins de Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes passés à l'antenne cette année pour inviter solennellement tous les acteurs du monde de la mode et de la culture ivoirienne. En l'occurrence, les mannequins, les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs. Parce qu'on a remarqué que comme on n'avait pas un répertoire pour tout ce monde-là de foi, il y avait des personnes qui étaient lésées. Donc on a pris sur nous de venir là, dire que si vous êtes acteur du monde de la mode ivoirien, vous êtes invité. Et donc c'est une soirée en votre honneur. Et tous les fanas de la mode sont conviés à cet événement inédit. Donc c'est demain à partir de 20h précises à l'espace Solarino, qui est un restaurant. Voilà. D'accord, monsieur Pacom Soumian, capacité de ce restaurant, localisation à nouveau 300 places, franchement. Et puis, il y a un espace non-fumeur. Et puis, il y a un espace pour d'autres personnes. Voilà, c'est situé à Angré, Cocody, 7e tranche. Voilà, en face des impôts. Donc, demain, c'est l'événement avec les mannequins. Demain, c'est avec Fatim, c'est, le saga, le c'est la saga des mannequins. Voilà, le gala annuel 4e édition. Le 31, Guilou, le 1er, Baïs Pinto. Très bien. Des téléphones 22 42 70 00. 22 42 70 00. 07 12 35 73. Ce spectacle aura lieu grâce, bien sûr, à Philizo et Fils. Voilà. Merci à vous. Merci bien. DJ Alex Funk. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Nous parlons de Festica. C'est ma carte d'invitation. Oui, merci et bien. J'espère que tu viennes. Très bien, merci beaucoup. Didier Alex Funk, oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous nous parlez du Festica d'Abobo. Le Festica d'Abobo, c'est le festival culturel et des arts d'Abobo. C'est la troisième édition qu'organise aujourd'hui la structure Kunta Madère, qui a plein d'artistes invités. Quand on ne peut pas tout citer, on a cité Petit Denis, Afo Keïta, Ke Guevara, Bamba Misara, Awi Nato et Baby Philippe, Daouda le Sentimental, Kagim, Lago Polin, Roy Antakiti et puis Laura du Live. Et n'oubliez pas aussi que c'est sous le haut parrainage de M. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et sous la présidence de M. Adama Tunkara, député maire d'Abobo, ministre du pétrole et de l'énergie, et sous la présence du commandant du camp, commando d'Abobo, M. Kone Gaoussou, dit Diagaou. Et je rappelle qu'il faudrait inviter tous les enfants d'Abobo, tous ceux même d'Abidjan, venir découvrir cet événement qui fait marquer la troisième édition parce qu'il aura beaucoup de gadgets, il aura beaucoup de surprises. Et l'apothéose aussi, on va retrouver DJ Alex Funk qui va fêter ses 32 ans de carrière de DJ jockey. Je serai sur les platines en direct avec le public pour faire des squats, des démonstrations. C'est dingue, c'est un truc qu'il faut voir absolument, ne pas se faire rencontrer. Quoi. Donc la raison pour laquelle je suis là aussi. Afo Keïta. Afo Keïta, oui. Nous allons lui prendre quelques mots. Bonjour. Okay, okay. Bonne arrivée, vous étiez en voyage, vous êtes de retour. Beaucoup. Un grand événement pour lequel vous allez participer. Oui, j'ai vu tous mes fans de Abobo, de Côte d'Ivoire même d'ailleurs, et de venir nous soutenir ce jour-là à Abobo. Vraiment.
Ça fait 3e édition maintenant. Donc, on invite tout le monde. C'est une nouvelle année. C'est un nouveau Afou. Venez, on va fêter ensemble. D'accord, merci beaucoup. Je tiens à rappeler qu'elle vient des États-Unis pour ce festival. Donc, elle a apporté quelque chose de nouveau. Donc, à découvrir à tous les coups. D'accord. Voilà. Et puis, il y a aussi exposition, vente, défilé de mode, concours de danse, jeux, élections, miss, prestations d'artistes. Plus de 100 artistes, plein de lots à gagner. Donc, je crois que c'est vous nous rappelez les dates? On rappelle les dates, c'est tout simplement le 29, 30 et 31. Et nous finissons le 1er matin. Voilà. Le lieu? Le lieu, c'est au complexe d'Abobo. Le complexe d'Abobo. L'entrée? L'entrée n'est pas payante. C'est gratuit pour tout le monde parce qu'il faudrait que nous partageons, nous parlons dans l'ensemble, nous nous saluons, nous nous retrouvons. Quoi, les personnes viennent à quelle heure? Comment? Les personnes viennent à quelle heure? Bon, on va faire l'ouverture le 29 à 9h matin. Et je crois que les gens vont commencer à venir déjà. Et puis bon, c'est parti parce que c'est grand. Ça va habiter près de 5 000 à 10 000 personnes. Donc, un téléphone, s'il vous plaît. Le téléphone, le 47 05 52 67. Le 47 05 52 67. C'est le seul numéro que nous donnons. Merci à vous. Monsieur Bassabana Koulibaly. Oui, c'est ça. Madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous parlons du tournoi de la fraternité, c'est à Kong. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Effectivement, je suis là sur ce plateau pour le tournoi de la fraternité qui aura lieu à Kong. Disons que le tournoi a déjà commencé depuis le 6 septembre. Mm-hmm. La pétose est donc pour ce 8 et 28 décembre 2013 au stade municipal de Kong. Mm-hmm. Cet effet, il y aura la petite finale et la grande finale. La petite qui finale, organise cet événement? C'est le ministre des Affaires présidentielles, le ministre Ibrahim Ouattara, qui est le député maire de la ville de Kong. Et pour le tournoi, proprement dit, l'organisation a été confiée à Ouattara Bamoussa, qui est le président d'ailleurs même du comité d'organisation. Donc, j'ai fait l'honneur de représenter ce matin sur votre plateau. Très bien. Et c'est quand l'événement? L'événement, c'est le 28 au stade municipal de Kong. À partir de 14h, il y aura la petite finale. Et à 16h, la grande finale. La petite finale oppose le FC fonctionnaire contre FC Kafolo. Et la grande finale oppose l'équipe de Kong à l'équipe de Nassian. D'accord. Vous avez un appel à lancer? Oui, nous avons un appel à lancer à la population, d'abord même de Kong, pour que toute la population se retrouve le 16 et le 28 décembre à partir de 14h au stade municipal. Et à partir de 14h, la demi-finale, et à 16h maintenant, la finale proprement dite. Nous invitons toute la population même de Kong et celles même qui sont à Abidjan, s'ils peuvent faire le déplacement. À cet effet, il y aura un car qui part déjà vers midi au Kong. Si ceux qui sont intéressés peuvent aller au niveau de la mosquée blanche à Bobo, à Vokati. D'accord. C'est un tournoi de quoi, on rappelle? Un tournoi de la fraternité. De quoi? La fraternité au niveau des enfants de Kong. Mais quel quoi? C'est un tournoi de quoi? Tournoi de football. Football. D'accord. Et je tenais à remercier vraiment... le ministre des Affaires présidentielles, M. Ibrahim Ouattara Téné, et le parrain, M. Sangaré Draman, et M. Bamoussa Ouattara, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour pouvoir vraiment organiser ce tournoi. D'accord. Très bien. Vous nous donnez des téléphones, monsieur? Oui, on peut nous appeler au 49 84 41 13. Oui. On reprend, s'il vous plaît? Le 49 84 41 13. Très bien, merci à vous. Merci. Tout a été dit? Oh, sauf que je tenais vraiment à appeler vraiment toute la population de Kong de s'y rendre massivement au stade municipal de Kong pour vraiment prendre part à la fête. Parce que toutes les équipes seront récompensées. Très bien. Le ministre a vraiment envoyé tous les cadeaux nécessaires pour toutes les équipes qui ont participé au tournoi. Merci. Et je tenais à lui vraiment rendre hommage pour vraiment l'effort qu'il fait pour rendre la population de Kong heureux. Très bien, merci. Monsieur Tony Taï. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous présentez l'artiste. Il y a un album également qu'il faut présenter. On vous écoute.
L'artiste, c'est moi-même, Tony Taé. Je suis ivoirien, je suis de la région de Bangolo et je vis à Paris. Et là, j'arrive pour présenter un album de 10 titres que j'ai fait depuis 2012. Et cet album, disons que c'est la salsa. Et c'est la salsa, je me suis fait connaître auprès de mon doyen Némignon, Pico, qui à l'époque vivait avec moi à Paris. Et donc, j'étais danseur de salsa déjà. Et puis, je suis venu à la musique par un événement. Heureux évidemment, je suis allé en boîte de salsa, on a dansé, puis bon, on a discuté avec des gens qui sont dans la musique. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas chanter également. Et voilà, je suis venu à la chanson, on a discuté, on a trouvé vraiment un compromis. Je me suis mis à la chanson, j'ai fait cet album où je chante en guéré, 3 titres. Et il y a un titre qui a été nominé au Salsa Award par le magazine de New York. Je suis allé 2 fois, j'ai eu un prix. Je suis allé à Cuba. Là, je viens en Côte d'Ivoire pour présenter mon œuvre à mes parents, à ma population. Voici un extrait. Pourquoi tu la regardes? On est tous les deux, tu parles avec moi, on marche ensemble. Tu la regardes pourquoi? Parce qu'elle est claire. Parce qu'elle est claire. Pourquoi tu regardes la peau? T'es avec moi. Parce qu'elle est claire. Tu veux que c'est quoi? Tu veux que je sois claire aussi, c'est ça? Tu veux que je change? Non, t'as pas le droit de regarder, tu parles avec moi. D'accord. Alors, et vous, monsieur Némignon, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bonjour, monsieur. Bonjour, Marianne. Je vais dire pour cet artiste que je présente aujourd'hui, ça me fait une fierté d'avoir, quand il m'a contacté depuis 2007, qu'il voulait arriver à cette musique, parce qu'en tant que danseur, et j'ai dit, bon, petit, c'est tout à fait normal, parce que les salseros et les sonores, il n'y a pas assez en Côte d'Ivoire. Actuellement, je m'inquiète. Donc, quand on arrivait, ce serait bien. Et effectivement, aujourd'hui, il a vraiment pratiqué cette musique, il est arrivé à un sommet que moi je n'ai pas atteint. Donc en tant que mon élève, je suis très fier de le présenter aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Et le demain, nous avons un cocktail de presse, toujours qui aura lieu quelque part, dans un restaurant, et de 14h à 17h. Je vais présenter cet album à tous les médias et puis aux Ivoiriens. Ce serait bien de nous dire où? Ça s'appelle le 24 carats à la 8e tranche, d'accord, en Grès. D'accord. Oui. Et vous invitez le public? C'est la presse qui est, non, c'est la presse qui est à l'honneur. Parce qu'on a fait, c'est un restaurant de 80 places. On a invité en priorité la presse. D'accord. Et puis après, j'aurai à faire des concerts. Mais dans un premier temps, c'est la presse qui est invitée. D'accord. Mais vous avez une adresse au public? Déjà, je donne le numéro de téléphone. C'est le 56 97 85 89. Et l'adresse, c'est le 24 Cara, le restaurant 24 Cara, qui se situe à Ingres, 8e tranche. Voilà. D'accord, très bien. Vous avez un mot pour conclure, s'il vous plaît? Pour conclure, effectivement, je fais appel à tout le monde pour découvrir cet artiste et qui arrive dans un pas de la salsa, et, comme je l'ai dit, et que j'appelle tous ceux qui sont invités, qui ont reçu une carte, d'être présents, et les gens des médias pour découvrir cet artiste, Tony Taé, et qui fait vraiment cette musique à 100%. Parce que lui, il est allé à Cuba. Moi, je suis son maître. Mais lui, il est allé à Cuba, à New York, à Santiago. Et moi, qui suis le vieux crocodile, je ne suis pas encore allé là-bas. Donc, ça me fait plaisir de vraiment présenter. On dit une montagne qui accouche une souris, mais moi, j'ai accouché un petit crocodile. Voilà, merci. On rappelle que l'événement, c'est demain, à partir de 14h à 17h. Oui, de 14h à 17h. Mais les personnes qui souhaiteraient votre album, on trouve où cet album? Mais l'album, je l'ai sur le téléchargement iTunes. Ben là, je le présente et je suis en train de négocier pour qu'il puisse être distribué en Côte d'Ivoire. D'accord. Et je suis arrivé il y a juste 5 jours, donc on est en train de négocier. Pour le moment, il n'est pas encore distribué. D'accord. Voilà. Vous avez un téléphone à nous laisser? C'est le 56 97 85 89. On peut reprendre, s'il vous plaît? 56 97 85 89. Merci. Et à vous, sur ce, Arlène, je te donne ta carte d'invitation. Et on profite pour vous donner votre merci carte. Beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, l'extrait que l'on a vu donne envie d'écouter la salsa. Mais Maria, je t'ai dit. C'est la salsa dura. C'est la salsa dura, la salsa caliente. Il a fait ça avec toutes les sauces. Salsa dura, salsa caliente. Caliente, c'est du plé bas mélangé du tout. C'est une sauce. Merci à vous. Et je tenais à ce qu'on fasse un gros plan sur votre cravate. À ma cravate, je trouve que c'est. Toutes mes je trouve que c'est le raffinement, voilà, du raffinement, voilà, n'est-ce pas? Que d'avoir des sonorités en cravate, ça prouve votre engagement. Avec les notes, toutes les chansons sont là. C'est là. Et puis quoi, des retours, c'est fait d'évaluer.
Baye quoi qu'on gagne, ou pas au sein, tout ça c'est un ouais. En tout cas, merci à vous. Merci, Marianne. Tonton Bouba, bonjour. Bonjour. Avec tes lunettes vertes, tu as vu les notes de musique là? Oui, j'ai vu. En plus, bon, et ils sont de Bangoulou, moi je suis né à Diokoué, bon, c'est la même chose. En plus. Alors, tonton, on a de bonnes nouvelles, bien sûr, c'est Fitini Show. Fitini Show. Mm-hmm. Je voudrais saluer d'abord les enfants de Bouaké. Mm-hmm. J'étais à Bouaké avant-hier où il y avait eu 5000 enfants. À l'ancien stade, on a fait un grand show avec les enfants de Bouaké. Cette fois-ci, à Abidjan, les choses se précisent et je voudrais simplement dire qu'il n'y a plus assez de tickets. Il ne reste que 1000 places parce que les tickets ne sont qu'à 2000 francs. 1000 places sur combien? 1000 places sur 3000. Wow. Alors, j'ai dit aux gens, avec 10 000 francs, 4 enfants peuvent partir avec un accompagnateur. Mm-hmm. Parce que certains me demandent, est-ce que l'accompagnateur paye? Mais on ne peut pas laisser un enfant rentrer sur un lieu de spectacle sans qu'il ne soit.